الله ان شاء الله في هذا لا فيديو غنشوفوا تو لي سيت ريزونمون لوجيك واللي هي لا بارتي لا بلوز اسونسييل في هذا لوكو. اما الا كنتي اول مره غتشوف هذا لوكو كنصحك انك تشوف هذا لا فيديو في هذه الهنايا اللي فيها لا بروميير بارتي ديالها ديال لي نوسيون لو فوكابولير ايتترا وفي ابري واحد 20 مينوت. دونك قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا واحد لو بوتي رابيل على لوبجيكتيف ديال لوجيك. Donc l'objectif d'Yenna est de déterminer la valeur de vérité d'une proposition. C'est-à-dire, quand tu as la proposition, tu vas dire qu'elle est fausse ou bien vraie. Ou les exercices qui sont là, ces propositions sont-elles vraies ou fausses, ou bien déterminer la valeur de vérité, ou bien montrer cette proposition, montrer, c'est-à-dire montrer qu'elle est vraie. Voilà. Pour réaliser cet objectif, on a besoin des raisonnements. Je n'ai pas de raisonnements, tout simplement, ce sont des méthodes, des outils, les qui aident la proposition, qu'elle est vraie ou bien qu'elle est fausse. Voilà. Donc, on a 7 raisonnements. Le premier, c'est le raisonnement par le contre-exemple. Le deuxième, déductif ou le kangoulolé par implication. Le troisième, par équivalence. Numéro 4, par contraposé. 5, par disjonction des cas, face à la 6, par absurde. Et dernièrement, par récurrence. Donc, pour la vidéo, on va essayer de voir comment on peut utiliser tous ces raisonnements. Et la première chose, c'est de savoir les différences entre vous et de savoir l'exercice, de savoir les raisonnements que nous allons faire. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut faire 30 minutes. On va essayer de faire 30 minutes avec des exercices ou des exemples. Premièrement, le raisonnement par le contre-exemple, c'est-à-dire le motif, le modèle, c'est le raisonnement que nous allons faire quand nous allons la proposition. Fausse, ok, vous voulez montrer qu'elle est fausse, est-ce que la proposition est fausse, justifie ta réponse, etc. Par exemple, la proposition, elle est montrer qu'elle est fausse. Est-ce que tu as la proposition? Pour tout x appartient à r, qui met un x r, x supérieur strictement à 3. Bien sûr, la fait bien sûr, cette proposition, elle est fausse. Est-ce qu'il y a une des x, par exemple, à l'échelle, il y a 1? Mais 1 est inférieur à 3, pas supérieur à 3. Donc, je vous tout simplement. Je vous on 1, le nombre 1, appartient à l'ensemble R. Voilà. Mais 1 est inférieur à 3, pas supérieur à 3. Voilà. Donc, je vais essayer d'avoir tout simplement si vous avez mis le mot d'un, vous avez mis l'expression, il y a 1. Bien sûr, ça va coûter 2, ça va coûter moins 1, etc. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, cette proposition, elle est fausse. Nous avons le deuxième exemple. Bien sûr, montrer que cette proposition est fausse. Pour tout x appartient à r, x au carré supérieur ou égal à x. Qui met un xr, fait un au carré supérieur ou égal à x. Vous voyez ça? On a dit peut-être que ça fait des exemples. Il a dit par exemple 2. 2 au carré, ça fait 4, bien sûr, supérieur ou égal à 2. L'ordinateur a un nombre négatif, par exemple, moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4, bien sûr, supérieur ou égal à moins 2. Donc, principal 2 ou moins 2, donc la proposition, elle est correcte. Ou est-ce qu'il y a un autre nombre, la proposition, elle est fausse? Et là, il faut par exemple, 1 sur 2. Il nous faut 1 sur 2. 1 sur 2 au carré est égal à quoi? Est égal à 1 sur 4. Ou est-ce 1 sur 4 supérieur ou égal à 1 sur 2? Pas du tout. 1 sur 4 est inférieur à 1 sur 2. Donc, on a pris un limite de la proposition. On a dit que pour tout x appartient à 1. Mais on a dit qu'il existe un x appartient à 1. Il n'y a pas de monde qui est un des x. Mais pour tout, non. Pourquoi? Car on a 1 sur 2, bien sûr, appartient à l'ensemble R. Mais 1 sur 2 au carré qui est égal à 1 sur 4. Elle est inférieure à 1 sur 2, pas supérieure ou égale. Donc, cette proposition, elle est fausse. Donc, le raisonnement par le contre-exemple est tellement facile. Qu'est-ce qu'on a de la proposition? Quand on a une limite, les autres ont de la proposition ou qui bien qu'elle est fausse. Donc, toujours, qu'est-ce qu'on a la proposition fausse? Ben, on a l'exemple modèle. Deuxièmement, le raisonnement déductif, c'est très très facile. هاد لي غيزمون كنك تستعملوه من نهار بدينا كنقراو الماس بلا ما نعرفو سميتو. تو سامبلومون لو برانسيب ديالو كيعطيوك دي دوني، كيعطيوك واحد المعطيات في ليكزارسيس وكيقول لك وصل لواحد لو ريزولتا، مونطخي واحد لو ريزولتا. تو سامبلومون كتمشي دي زامبليكاسيون، شحال هادي كنا كنمشيو بألوغ إذن إتسيتيرا فوالا. دونك باش نفهمو هاد لو غيزمون نشوفو هاد ليكزومبل.
يقول لك مونتري بور تو اكس ابارتينا ار بلس 1 سور 1 بلس راسين دو اكس ايت ايكال 1 موان راسين دو اكس. اول حاجه جو بوز لا كيستيون علاش قال لك ار بلس؟ حيت عندك راسين دو اكس، راسين دو اكس دونك بيان سور اكس سيكون ابارتينا ار بلس بوزيتيف. فوالا قال لك هذيك امبليك اكس ايت ايكال 0. هاد لا بروبوزيسيون نقدر نحولها لاوتر فراز اللي نقدر نفهمها مزيان، اللي هي سي 1 sur 1 plus racine de x est égal à 1 moins racine de x, montrer que x est égal à 0. Voilà, c'est l'implication, le principe de l'implication. On a donné, montrer que x est égal à 0. Donc tout simplement, 1 sur 1 plus racine de x est égal à 1 moins racine de x. On va garder des implications jusqu'à obtenir x est égal à 0, ou le résultat d'y aller. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je peux multiplier 1 plus racine de x fois 1 moins racine de x est égal à 1 fois. Voilà, je vais le transformer en cette équation. Elle dit, je remarque bien qu'il y a une identité remarquable. Donc, c'est 1 au carré moins racine de x au carré, voilà, est égal à 1. Très bien, donc 1 au carré c'est 1, 1, je peux déduire par implication racine de x tout au carré, elle a dit ça fait x, donc moins x est égal à 0. Voilà, un petit rappel, racine de x tout au carré est égal à x, mais racine de x au carré au carré d'origine est égal à la valeur absolue de x. Donc, on va faire la ligne. Donc, cela implique moins x est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à 0, bien sûr. Donc, en un sens, le résultat d'y aller par implication. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux écrire? Tout simplement, par le raisonnement déductif ou bien par implication, cette proposition, elle est vraie. On passe maintenant au raisonnement par équivalence. Je n'ai pas le principe de ce raisonnement. Mais qui attaque des données, qui attaque une seule proposition, il y a un quadrangle compliqué ou qui est compliqué. Donc, par le cas, je vais vous dire que je fais la proposition compliquée ou que je prends des équivalences. Je vais vous dire que je vais la proposition plus simple. Avec la proposition, elle a la valeur d'Yana. Je vais vous dire fausse ou bien vrai. Ou que je vais l'équivalence, elle a la même proposition. Et il y a une par équivalence, enfin cette proposition, elle est cette proposition, donc elle donne la même valeur de vérité. Donc, il y a quand c'est vrai, celle-ci, elle est vraie, il y a quand c'est fausse, celle-ci, elle est fausse. Je vous fais l'exemple, ben, je vais faire mot bien. Je vais montrer pour tout x appartient à r étoile plus, c'est-à-dire ces x supérieur strictement à 0, que x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. Donc, si on a la proposition, l'étonne, par équivalence, nous avons une autre proposition plus par équivalence. Là, qu'est-ce que je peux faire? Nous avons le dénominateur. Donc, j'obtiens x. Bien sûr, x fois x, ça fait x au carré plus 1 supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Par exemple, nous avons x, les deux côtés. Donc, il a droit x. C'est une fois positif ou négatif. Je n'ai pas l'ordre où je vais être rien. R, elle est positive. Voilà. Alors, je vais mettre différent de 0. X qui est le dénominateur, donc doit être non nul. Voilà. Donc, je vais mettre x au carré plus 1 supérieur ou égal à 2x. Voilà. Je vais mettre l'un. Pour qu'on a le mot de l'air, x appartient à R plus étoile. Voilà. Par équivalence. X au carré plus 1, donc j'ai moins 2x à ce côté-là, moins 2x supérieur ou égal à 0. Les chiens, c'est une identité remarquable. Les chiens, x au carré moins 2x plus 1. Voilà. Donc celle-ci est égale à quoi? X moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. Donc la proposition, je vais donner la valeur de vérité d'hier. Quelque chose au carré, qu'on a fait toujours positif. Voilà, vous mettez le positif. Donc, cette proposition, elle est toujours vraie. Qui met un x, le truc hadar est supérieur ou égal à 0. Donc, cette proposition, elle est vraie. Donc, par équivalence, la proposition, il y a la même proposition.
Donc, il est qu'un vrai, bien sûr, celle-ci est vraie. Au fin de celle l'exercice, non, ça. C'est que le mec suis par équivalence. Il est suis par équivalence. Il est suis par équivalence. Maintenant, il y a un sujet, bien sûr, tu vas développer. Maintenant, il y a un sujet, bien sûr, tu vas diviser de l'autre côté. Maintenant, il y a un sujet, bien sûr, tu vas diviser par x, ou un double hack, diviser par x, et l'âge, x appartient à r plus étoile. Voilà. Ou bien tout simplement, il se frappe la fraction. Donc, il y a le droit. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Par, ou bien par le raisonnement, par équivalence, cette proposition, elle est vraie. Par le raisonnement déductif ou bien par implication, bien sûr, il est capable de la donnée qui est la donnée, bien sûr, toujours vraie. Par exemple, je vais dire x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. Voilà ce qu'on a dit dans les exercices, je vais dire la donnée, ou ce qu'on a dit, bien sûr, par des implications. Donc, avec le choix, mais c'est préférable. Dès le raisonnement par équivalence, mais qu'est-ce qu'on a dit qu'on a de la surdonnée? Donc, il y a des radis ou il y a des radis هنا تقدر تقول انني نبدا من هاد لا دوني هادي هاد لا دوني ما كافياش واخا غتبدا منها راه ما غاديش توصلك لهاد لو ريزولتا نديرو ان اكزرسيس اخر باش نفهمو مزيان هاد لو ريزونمون كيقول لك اكس سوبيريور على 1 مونتري كو راسين دو اكس بلس 1 موان راسين دو اكس انفيريور ستريكتومون راسين دو اكس موان راسين دو اكس موان 1 دونك واحد لا دوني اللي هي فورت عندك اون سول دوني دونك تفكر في لو ريزونمون باغ اكيفالونس بغيتي تشرب ديدكتيف يعني باغ امبليكاسيون مزيان بدا من اكس سوبيريور على 1 وشوف واش غادي تخرج واش متفقين دونك dire par équivalence. Donc, on a la proposition, on me suit par des équivalences. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, racine de x plus 1, par exemple, j'ai réalisé là, ce côté, plus racine de x moins 1, inférieur strictement, on dit donc les racines de x, l'autre côté. Donc, racine de x plus racine de x, ça fait 2 racines de x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux seulement amener ma phare au carré. Voilà. Et là, je fais attention. En fait, au carré, je suis sûr que ces deux trucs sont positifs. Racine de n'importe quelle chose, elle est positive. Celui-ci, positif. Plus positif, ça reste positif. Et celui-ci aussi, elle est positive. Donc, je vais le faire au carré sans aucun problème. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je remarque que c'est une identité remarquable. Donc, racine de x plus 1 au carré, ça fait x plus 1. Voilà. Racine de x moins 1 au carré, ça fait x moins 1. Donc, plus x moins 1 plus racine de x plus 1 fois racine de x moins 1 fois 2, ça fait 2 racine de x plus 1 facteur de x moins 1. Voilà, tout inférieur strictement. Bien sûr, là, il a vrai que nous allons au carré, nous allons au juge. Donc 2 au carré, ça fait 4 racine de x au carré, ça fait x. Voilà, par équivalence. Donc x plus x, ça fait 2x. 1 va diminuer à moins 1. Maintenant, plus 2 racine de x plus 1, je peux développer à l'identité remarquable x au carré moins 1 inférieur strictement à 4x. Donc, on va noter 2x à l'autre côté par équivalence 2 racine de x au carré moins 1 inférieur strictement à 4x moins 2x, ça fait 2x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réduire par 2. Par équivalence, j'obtiens x au carré moins 1 inférieur strictement à x au carré. Qui maintenant x elle est positif, ou c'est celui-ci elle est positif. Donc là, je peux réduire par x au carré. Ou bien l'axon les deux côtés. Donc, à ce qu'on a moins 1 inférieur strictement à 0. Cette proposition, elle est vraie ou bien fausse? Moins 1 inférieur à 0? Bien sûr! Donc, cette proposition, elle est vraie? Bien sûr, celle-ci est aussi vraie par équivalence. On a montré ceci. J'espère bien qu'on a sur la différence entre les trois raisonnements. Le premier, on a le raisonnement qu'est-ce qu'on fausse. Mais ce qui veut que je montre que cette proposition, elle est fausse. Ou bien, est-ce que cette proposition, elle est vraie? Voilà. Binsba, le deuxième, le déductif, qui est qu'on a dit واحد la donnée, qui est qu'on a dit واحد le résultat, nous chiffre par implication. L'équivalence, qu'est-ce qu'on a dit sur donné, comme par nous par équivalence, pour obtenir une proposition plus simple, on va aller à et puis on va aller à ma proposition. Windows le raisonnement par contraposé, quand on les cas d'alpha SL1, Inch'Allah, le principe dialogue. Qu'est-ce que l'on a fait exercice, bien un P implique une proposition, implique une proposition.
ولقيتي شي صعوبة، ما لقيتيش راحتك في داك ليكسبريسيون، تو سامبلومون كتمشي تبين ان كي بار امبليك بي بار، كما شفتو هنا درنا ايكيفالونس، يعني هادي راه هي هادي. دونك او ليو ما تبين ان هادي، كتمشي تبين ان لا نيغاسيون ديال لو ريزولتا امبليك لا نيغاسيون ديال لي دوني. دونك فهموا هاد لا كونتخابوزي مزيان مع هاد ليكزومبل. كيقول لك بيان سور اكس ابارتيان ار اي اكس ديفيرون موان 7، توجور جو بوز لا كيستيون بوكوا اكس ديفيرون موان 7. كنمشي نشوف كنلقى عندي اكس بلس 1 5 في لو دينوميناتور، دونك دوات اتر مون نو، دونك اكس دوات اتر ديفيرون دو موان 5. فوالا، دونك باش ما تخلي حتى شي حاجه تفوت، مونتري كو اكس ديفيرون دو موان 8 امبليك اكس بلس 2 سور اكس بلس 5 ديفيرون دو 2. تقدر هاد ديفيرون هادي دورونجيك شويه، ما كتخدمش انت بديفيرون في لي زيكواسيون اكسيتيرا، دونك تقدر تفضل انك تمشي دير كوبا، يعني هذه هي كوب، تمشي دير ليها لا نيغاسيون غادي تقول لي اكس بلس 2 سور اكس بلس 5 ايت ايكال ا 2، وتمشي تبين هذه، تمشي تبين لا نيغاسيون ديال هذه اللي هي اكس ايت ايكال ا موان 8. فوالا، دونك هنا تخلصتي من داك الديفيرون، كتولي عندك ايكال، وتقدر تبين تو سامبلومون بار دي زامبليكاسيون. فوالا، نقدر نقولوا ان هاد لا بروبوزيسيون بار ايكيفالونس، يعني سي لا ميم شوز. دونك نمشيو نبينو هذه. فوالا، نبدا من x بلس 2 سور x بلس 5 ايت ايكال 2، هادي هي اللي ولات عندي لا دوني. فوالا، باغ امبليكاسيون اش غندير دابا؟ تو سامبلومون نقدر نضرب 2 فوا x بلس 5 ايت ايكال x بلس 2 فوا 1. فوالا، جو بو ديفلوبي 2x بلس 10 ايت ايكال x بلس 2. لي x ان كوتي 2x موان x صافي x est égal 2 moins 10 ça fait moins 8 ou hein ça bien tiré. Donc elle dit à la proposition elle est vraie bien tiré. Voilà l'équivalence à la proposition elle est vraie tout simplement à le raisonnement par contraposé qui je mets l'équivalence ou l'implication un seul raisonnement. Donc par le raisonnement par contraposé cette proposition elle est vraie. Alors on va nous dire qu'on peut utiliser le raisonnement déductif tout simplement retirer l'indifférent il y a égal وتمشي تبين هذه بار امبليكاسيون، ولكن حنا اون بريفير اننا نخدمو بايكال حيت هي اللي اعتادنا اننا نخدمو عليها. اكزومبل اخر نفهمو مزيان، اكس ايكال ابارتيان ا ار، اكس ديفيرون دو 2 ايكال ديفيرون دو 2 امبليك سيت بروبوزيسيون بيان سور حتى انا عندها ديفيرون، دونك نفكر في لا كونترابوزي. غالبا لا كونترابوزي كنستغلوها وبيان كنستعملوها فين كتكون عندنا ديفيرون امبليك ديفيرون، واش متفق؟ دونك غنمشي ندير لا نيغاسيون دو سي سي، نقدر نقول بار ايكيفالونس. La négation de ceci, il y a 2x plus 2y moins xy moins 2 est égal à 2. Implique bien sûr la négation de l'e. X est égal à 2. La négation de l'e est où? Message. Y différent de 2, y est égal à 2. Voilà. Donc, machine bien. Bien sûr, je vais aller une machine par des implications. Machine 2x plus 2y. Moins xy moins 2 est égal à 2. On va dire des implications de notre problème. Et là, je vais vous donner. Et là, il va nous lier des factorisations. On va nous gérer à ce côté-là. Donc, 2x, j'ai créé moins xy pour factoriser par x, plus 2y. Et là, il y a un des moins 2, puis là, je vais dire, je vais dire moins 4, bien sûr, est égal à 0. Et là, il va nous lier des factorisations. Par implication, je peux factoriser par x, j'obtiens 2 moins y, plus, ici je peux factoriser par 2, donc j'obtiens y moins 2 est égal à 0. 2 moins y, y moins 2. Donc, on va faire la reste. J'ai oublié un dit. Implique, et la reste, ça se souvient de moins x, y moins 2. Voilà, là, développez le moins, je vais trouver 6 plus 2. Facteur de y moins 2 est égal à 0. Voilà. Par implication. Et là, je peux factoriser par y moins 2. Il y a un facteur de moins x plus 2, puis il y a 2 moins x. Bien sûr, est égal à 0. Produit est égal à 0. L'un des facteurs est égal à 0. Implique que y moins 2 est égal à 0 ou 2 moins x est égal à 0. Implique, déroule un brach, place ça, y est égal à 2 ou x
Bien sûr, là je mets x à ce côté, je trouve x est égal à 2. Voilà. Donc on sent là, donc regarde la proposition, elle est vraie. Par suite, cette proposition, elle est vraie. Par le raisonnement par contraposé, cette proposition, elle est vraie. Le raisonnement par disjonction de cas. Tout simplement, on va dire que tu as fait un exercice, la question ou la proposition, et tu as fait un exercice. Bien sûr, au moins, tu as fait les deux des cas. Donc, tu sais que tu as fait un exercice. تشوف هذه الحالة اش غيكون وهذه الحالة اش غيكون بيان سور لا ريبونس ايتترا. دونك باش نفهمو مزيان نشوفو هاد ليكزومبل كيقول لك او بي ابارتيان اون سون ان مونتري كو سي ا اي بي اون لا ميم باريتي الوغ ا بلس بي اي بار. كيفاش ا اي بي اون لا ميم باريتي؟ سيتادير سوا لي دو سون بار سوا لي دو سون امبار سوا سوا. دونك عندي دو ديال لي كا فوالا. دونك غنديرو لو بروميي كا سي ا اي بي sont les deux paires. Voilà. Je vous Monsieur, je vous A plus B, je vous dis qu'on perd le cas. Bien sûr, si on A plus B perd les deux cas. Je vous dis après, je vous dis que la proposition elle est vraie. Qu'est-ce que signifie A et B sont paires? C'est-à-dire, je vous dis qu'il se trouve sous forme de deux fois quelque chose. Je vous dis après. Donc, A est égal à, par exemple, 2 fois K. Et P est égal à 2 fois P. Bien sûr, ma gauche, je vous remercie, bien sûr, K. 2K, 2K, ou la radio économique, c'est oui. Là, il faudra que nous sommes, il faudra que nous différents. Vous voyez, je bien sûr, P. Là, je vais vous remercier les deux éléments. Je vais vous remercier l'information. Laisse qu'il y ait les deux éléments. Tout simplement, K et P appartiennent à quel ensemble? Gna A ou B pour l'ensemble N, donc ça quand personne connaît l'ensemble N. Voilà. Donc, nous sommes sur A plus B, est-ce que c'est A plus B. Par exemple, ici, j'écris c'est-à-dire. Donc, A plus B est égal à quoi? Est égal à 2K plus 2P. Donc, je peux factoriser par 2. K plus P. Donc, j'écris A plus B sous forme de deux fois quelque chose. Donc, A plus B, elle est paire. Donc, A plus B est paire. Donc, le premier cas, binaire. Deuxième. Je vais vous chercher le deuxième cas. Entre les deux, la même solution. Bien sûr, maintenant, si A plus et B, pardon, sont impairs. C'est-à-dire que A est égal à 2K plus 1, elle est qui s'abat d'un nombre impair, et B est égal à 2P plus 1. Bien sûr, A2 appartient à l'ensemble N. Voilà. Donc, nous chiffrons A plus B est égal à 2K plus 1 plus 2P plus 1 est égal à 2K plus 2P plus 2. Et maintenant, je peux factoriser par 2. Donc, j'obtiens 2 facteurs de K plus P plus 1. Donc, j'ai écrit A plus B sous forme de deux fois quelque chose. Donc, A plus B est pair. Donc, les deux cas, A plus B est pair. Donc, il est qu'un A ou B ont la même parité. Alors, A plus B est pair. Un exercice, ou à 3. Et raisonnement, je vais vous faire deux exercices pour que je vous fasse résoudre dans R. Ah, je vais vous montrer qu'il y a une nouvelle question. La valeur absolue de x moins 1 plus 2x moins 3 supérieure ou égale à 0. Et là, pour que je vous fasse une équation, qu'est-ce que je dois faire? Regardez là, la valeur absolue, on est en génie. C'est une chéhila, bien sûr, pour pouvoir calculer. Donc, et là, pour que je vous fasse une chéhila, je vais vous faire une x moins 1, ou est-ce positif ou la négative? Il est qu'un positif, je peux enlever la valeur absolue sans aucun problème. Il est qu'un négatif, d'arrore, on va faire le moins. Avant de, bien sûr, enlever la valeur absolue. Donc, on dit deux cas. Soit x moins 1 négatif, soit x moins 1 positif. Si x moins 1 supérieur ou égal à 0, ou l'autre cas, si x moins 1 inférieur strictement à 0. Donc, le premier cas. Le deuxième cas. Bien sûr, 0 dans le un cas ou bien dans le film juge, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, il n'y a qu'un x moins 1 supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on appelle x? C'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, d'abord, nous trouvons l'équation. L'équation devient. Qu'est-ce qu'on appelle l'équation?
Donc, une x moins 1 positif, je peux enlever la valeur absolue sans aucun problème. Donc, je trouve x moins 1 plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que 3x moins 4 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à 4 sur 3. Voilà. Si x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire faire l'intervalle, l'ensemble de solutions voit 4 sur 3 plus l'infini. Fiche 4 sur 3, bien sûr, après 1. Donc, je finis. Voilà. Donc, l'ensemble de solutions est celui-ci. Voilà. Donc, on a l'intersection. Qui m'a casse bien l'intersection, il y a 4 sur 3 plus l'infini. Là, j'en ai l'intersection. Et j'en ai d'un majeur. Donc, il a rejoint l'ensemble de solutions kvar. Mais le majeur, fait là, on a fait faqat, d'un chili d'un fait le majeur. Ou est-ce que ça fait? Donc, l'ensemble de solutions fait le cas, ou 4 sur 3 plus l'infini. Voilà. Monsieur, je trouve le deuxième cas. Si x moins 1 inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que x inférieur strictement à 1. Elle est là, je peux enlever la valeur absolue, mais un graphe moins. C'est-à-dire que je viens de dire moins x plus 1. C'est-à-dire 1 moins x plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Bien sûr, l'équation devient que je me voilà. Donc, moins x plus 2x, ça fait x. 1 moins 3, ça fait moins 2. Supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x supérieur ou égal à 2. Donc, qui veut dire que si x inférieur strictement à 1, aïe, x inférieur strictement à 1. X supérieur ou égal à 2, de juste après 1. C'est illogique. Qui veut dire qu'il n'y a qu'un x inférieur à 1. Enfin, il y a x supérieur ou égal à 2. Non, c'est illogique. Donc, là, il y a l'intersection, mais qu'il n'y a pas. Donc, je fais le rôle de l'intersection. Donc, là, on goûte bien le cas, c'est impossible. Voilà. Donc, il y a l'ensemble de solutions est égal à tout simplement l'ensemble. D'abord, l'ensemble des cas, il reste un ensemble de solutions différent. Donc, d'abord, je vais dire, je vais dire l'ensemble de solutions, bien sûr, général, tout simplement, comme je vais l'union des deux solutions. Elle lâche l'union, tout simplement, c'est un des cas. Soit celui-ci, soit celui-ci. Donc, on dit le haut, l'union, l'itihad. Donc, S général, on va le voilà, elle insinuera S1, elle insinuera S2, bien sûr, elle insinuera les cas. Voilà, est égal à quoi? Est égal à l'union contre, ou bien entre 4 sur 3 plus l'infini, union l'ensemble vide. Voilà, bien sûr, l'union est égale à 4 sur 3 plus l'infini. Voilà. هنا بزاف اللي كيدور ما كيعرفش فوقاش يدير الانترسيكسيون فوقاش كيدير لونيون تو سامبلومون الانترسيكسيون كديرها فين كتكون خدام في واحد المجال وكيخرج لك واحد لي سوليسيون دونك سي لابد داك لي سوليسيون كون كينتمي لذاك المجال واش متفقين دونك دائما خد داك الجزء اللي كينتمي للمجال دونك كتاخد الانترسيكسيون بالنسبه للونيون كديرها بيان سور باش تعطي لو ريزولتا جينيرال حيت انت عندك ديكا فضروري ما غدير لو او واش متفقين نبقاو نساليو غير صبر شويه دابا غندوزو لغيزومون باغ ابسيون كتبتو بالخطا حيت هاد الغيزومون هو اذكى واحد فيهم شنو هو لو برينسيپ تو سامبلومون لا كيسيون كتكون مونتري كو سيت بروبوزيسيون اي فري يعني بحال لي زوت غيزومون مونتري كو سيت بروبوزيسيون اي فري دونك فين كيقول لك مونتري يعني هاد لا بروبوزيسيون راه فري في الاصل واش متفقين انت كتمشي تسيبوزي بلي هي فوس فين كتسيبوزي بلي هي فوس بيان سور لو سيبوز ديالك خطا حيت هي راه فري دونك انت راك ارتكبتي واحد الخطا واش متفقين راه تبقى غادي كتسامبليفي ولا تمشي باغ دي زابليكاسيون اكسيتيرا انت ارتكب واحد الخطا اش كتسنى بيان سور غتلقى واحد التناقض غتلقى واحد لا كونتراديكسيون غتبقى غادي جوسكا تخوفي واحد لا كونتراديكسيون بحال هادشي هادي باغ اكزومبل 0 اي تيغال ا 1 دونك فين توقع لك هاد لا كونتراديكسيون غتعرف بلي سيبوز ديالك اي لي فوس يعني بما ان السيبوز ديالك اي لي فوس سيتادير كو بي ني با فوس كو بي اي فري دونك هاد مونتريتي لي بي اي فري فهمو مزيان l'exercice x appartient à R étoile, montrer que racine de x au carré plus 1 différent de 1 plus x au carré sur 2. Et donc, il y a un réchauffe différent, vous voulez la contreposer. La contreposer. Voilà, il y a une implication. Mais il y a une proposition, une seule proposition. Donc, là, c'est l'option.
Donc, vous allez montrer elle, c'est-à-dire elle dit, elle est vraie. Voilà. Donc, ça, tu vas supposer, supposons que, bien sûr, elle dit, elle est fausse. Qui fait elle dit, elle est fausse? Tout simplement que racine de x au carré plus a est égale à 1 plus x au carré. Bien sûr, bah, la fausse, on va dire la négation. Voilà. Donc, on va dire par des implications, par exemple. On voit la contradiction, je vois la contradiction. Donc, on a par exemple ma fa au carré, donc j'obtiens x au carré plus 1 est égal à 1 plus x au carré sur 2, bien sûr, au carré. Donc, on va dire ça, pas de problème. Implique, bien sûr, x au carré plus 1 est égal. A dit identité remarquable, 1 au carré ça fait 1. X au carré sur 2, tout au carré, c'est-à-dire x à la puissance 4. Sur 4, le numérateur et le dénominateur. Voilà. Donc, plus 2 fois 1 fois x au carré sur 2. Voilà. Implique. Maintenant, je peux réduire par 2 et je peux enlever le 1. Les deux côtés. Donc, j'obtiens x au carré est égal à x à la puissance 4 sur 4 plus 1 fois x au carré, ça fait x au carré. Je peux enlever x au carré, j'obtiens 0 est égal à x à la puissance 4 sur 4. Voilà. Donc, Hadi implique que x à la puissance 4 est égal à 0. Bien sûr, le Canada est égal à 0, enfin le numérateur qui est égal à 0. Voilà. Donc, implique bien sûr que x est égal à 0. Donc, x est égal à 0, mais indéfinissable. Vous avez une contradiction? X appartient à R étoile, c'est-à-dire que X est différent de 0. Ou X est égal à 0. Donc celle-ci, c'est une contradiction. Donc, les supposent d'y aller est fausse. Donc, elle n'est pas égal, elle est différent. Donc, elle dit qu'elle est vraie. Donc, je vais écrire tout simplement par l'absurde. Cette proposition est vraie. Une petite jolie question, montrer que racine de 2 n'appartient à Q. Maintenant, on va faire l'absurde. Là, l'absurde, on va faire un dit, mais c'est par exemple n'appartient pas, ou bien différente, on a dit une seule proposition. Voilà. Donc, on suppose, ou bien supposons, que cette proposition elle est fausse, c'est-à-dire que racine de 2 appartient à Q. Je fais la négation. Donc, est-ce que j'ai dit racine de 2 appartient à Q? En tout cas, les éléments qui appartiennent à Q. Tout simplement, ce sont des fractions. Les malcodages donc par exemple 3 sur 7, 2 sur 7, etc. Donc, on va dire que, c'est-à-dire, racine de 2 est égale à A sur B, c'est-à-dire une fraction. Bien sûr, avec A et B appartiennent à l'ensemble Z. Donc, A appartient à l'ensemble Z. Et B appartient à l'ensemble Z étoile, même si le B qui est le dénominateur. Voilà. Est-ce qu'on a une fraction, par exemple, moins 3 sur 5, et Nicole, l'un d'eux, Z ou bien les deux, c'est pas grave. Voilà. Quoi de plus? A sur B, c'est une fraction irréductible. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, par application, ma fois au carré. Donc racine de 2 au carré est égale à A sur B. Tout au carré, implique racine de 2 au carré, ça fait 2, est égal à a au carré sur b au carré, implique, bien sûr, là, bien sûr, dans b au carré fois 2, donc 2b au carré est égal à a au carré. Donc, nous pouvons dire que a au carré est pair, là, c'est écrit sous forme de deux fois quelque chose. Donc, a au carré est pair. Oui, les 15, a au carré est pair, alors, ah, ça, oui, est pair. C'est le matin, un exemple. Les 15 a au carré, c'est 16. Voilà. A dit à il y a 4. Voilà. Il y a 15, 16 a pair, donc c'est 4, il y a 4. Pair, on se dit, c'est bien, il y a 10. C'est bien, il y a a au carré et pair, implique a et pair, on se dit, on va dire la contrapose. Oui. A au carré et pair, alors que a est pair, ou c'est-à-dire a est pair, c'est-à-dire a est égal à deux fois quelque chose. Bien sûr, le cas appartient à Z est la fois, elle est Z. Est-ce que A appartient à Z? Donc, 4 d'Arcette qu'on appartient à Z. Donc, là, je vais remplacer A par 2K. Donc, 2B au carré est égal à 2K au carré. Voilà. Implique 2B au carré est égal à 4K au carré. Voilà. Je peux réduire par 2. Implique B au carré est égal à 2K
k au carré. Donc, P au carré est égal à deux fois quelque chose. Donc, P au carré est pair. Donc, P est pair. Donc, P ça y est égal à deux fois quelque chose. Bien sûr, P, bien sûr, P appartient à l'ensemble Z. Voilà. Et étoile, ce qui m'a le même P, c'est quoi différent de 0. Donc, d'abord, il y a un A sur B. A sur B devient IA, bien sûr. A est égal à quoi? Est égal à 2K. B est égal à 2P. Donc, A, je peux réduire par 2. Donc, par 2. C'est-à-dire, c'est une contradiction. Il est A sur P fraction irréductible. Donc, on le par 2. Donc, il y a une contradiction. Donc, suppose qu'il est fausse. Donc, racine de 2 n'appartient pas à Q par absurde. Le dernier raisonnement par récurrence. Bien sûr, la question montrait que là, une proposition, que la proposition respecte de n, tout simplement que ce qu'on va dire, c'est n en fonction de n. Yani, le nombre n. N qui appartient à l'ensemble n. Je me rappelle. Qui dit la proposition, elle est vraie. Donc, à demain, je sais que c'est pourquoi je suis là de la proposition, je vais changer. Ce qu'on fait l'ensemble n, ou ce qu'on m'a dit, n ou x ou la moyenne. Voilà. Donc, la première étape, tu vas montrer que P de n0 est vrai, c'est-à-dire que la proposition elle est vraie pour n0. N0, elle est l'ensemble des fait. Tout simplement, ou le premier nombre de l'ensemble. Il n'y a qu'un bien sûr n, le premier nombre n ou 0. Il n'y a qu'un n étoile, le premier nombre n étoile ou 1. Donc, comme je suis bien avec la proposition, elle est vraie pour 1 ou bien pour 0. Alors, on va faire les états. Après 2, supposons que P de N est vrai, mais que supposer bien la proposition est vraie. Et dernièrement, il y a les données. Donc, je me rappelle. Donc, est-ce que je me souviens de la proposition? Il n'y a que je suis pour N plus. يعني كتزيد واحد الدرجه كتمشي تبينها الي فري دونك ما غاتفهمش دابا ولكن مع ليكزيرسيس ديالنا غنفهمو مزيان يقول لك ان ابارتي على لونسون دو ان افيك ان سوبيريور على 3 مونتري كو 3 لا بويسونس ان سوبيريور على 27 دونك انا خدام في لونسون دو ان وعندي واحد لو بتي ان يعني معطيه لا بروبوزيسيون ديال ان واحد ان دونك جو بو اوتيليزي لو ريزونمون بار ريكورونس دونك لا بروميير ايتاب مونتري كو بي دو ان 0 اي فري ماشي نشوف شنو هو هاد ان 0 تو سامبلومون هو لو بروميير ايليمون اللي نقدر ناخذ انا غتشوف لونسونك ان تقول لا ناخذ 0 ولكن بلاتي يقول لك ان سوبيريور او ايغال 3 يعني لو بروميير ايليمون اللي تقدر تاخذ هو 3 ماشي 0 عطاك واحد لا كونديسيون دونك بور n est égal à 3, c'est-à-dire le premier élément, si je touche à la proposition élément. Tout simplement, je vais remplacer n par 3, donc 3 à la puissance 3, supérieur ou égal à 27. Moi, je voudrais 3 à la puissance 3, là, il y a 27. 27 supérieur ou égal à 27. Oui, ou égal. Donc, il y a des éléments. Donc, la première étape, elle est vérifiée. D'où la deuxième étape. C'est-à-dire, supposer que P de n est vrai, c'est-à-dire la proposition est vraie. Supposons que. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça va dans la phrase? Supposons que 3 à la puissance n supérieur ou égal à 27. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la troisième étape? Tout simplement, elle dit juste quoi tu supposes, ou elle dit vérification. La troisième étape, elle fait le rêve. Qu'est-ce que je montrer la proposition elle est vraie pour n plus 1. Il n'y a qu'à 0 à d'argent. Il n'y montrons que. La proposition est vraie pour n plus 1. Et tu vas remplacer n par n plus 1. Supérieur ou égal à 27. Donc, qu'est-ce que je suis bien fait? Vous voyez maintenant, c'est cette supposition que Rahoul me les donne. Et n'est-ce pas simple? Voilà. Donc, maintenant, Alice Rahoul, c'est bien fait. Donc, moi, on a 3 à la puissance n supérieur ou égal à 27. Donc, là, je peux bien sûr mettre 3. Je serai au cas. Donc, 3 à la puissance n fois 3, supérieur ou égal à 27 fois 3. Bien sûr, 3 positif, m'arrête l'ordre. 3 à la puissance n plus 27 fois 3, ça fait 81. Voilà, c'est bien 3 à la puissance n plus 1, supérieur ou égal à 27. C'est bien dit, supérieur ou égal à 81. Maintenant, c'est 81, supérieur ou égal à 27, bien sûr. Donc, la loi de la transition, tout simplement, donc 3 à la puissance n plus 1, il est supérieur à 27. Donc tu vas ajouter une petite jolie phrase.
Par récurrence, 3 à la puissance n supérieure de la 27 pour tout n appartenant à l'ensemble n, mais avec n supérieur ou égal à 3. Un dernier exercice qui voulait montrer que la suite 1 plus 3 plus 9 plus n, etc. jusqu'à 2n plus 1 est égale à n plus 1 tout au carré avec n appartenant à n étoile. Est-ce qu'il y a une hache? Donc là, je remarque les mêmes termes à l'autre, j'ajoute 2. Par exemple, là-bas, nous savons que n est égal à 4. Bon, il y a quand n est égal à 4, et on va remplacer là. 4 fois 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Donc, on va aller maintenant. Plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Ça, nous sommes 9. La somme est égale à quoi? Je vais remplacer n par 4, qui m'a remplacé sur n. Donc, 4 plus 1 au carré. 4 plus 1, il y a 5. 5 au carré, ça fait 25. Ou bien sûr, il est génétique ici, tu vas trouver 25. Donc, bien sûr, il y a de l'égalité. Voilà. Donc, on va faire tout simplement un chiot de la 3e. Pour n est égal, je vais avoir le premier élément, n étoile, donc le premier élément, roi 1. Pour n est égal à 1, je vais remplacer n par 1. 2 fois 1, ça fait 1. Plus 1, ça fait 3. Donc, je vais faire un chiot de 1 jusqu'à 3. Donc, 1 plus 3, je vais faire est égal à 1 plus 1 au carré. Bien sûr, 1 plus 3, ça fait 4. Ou 1 plus 1, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Donc, c'est bien sûr, l'étape, elle est vérifiée. Voilà. La deuxième, c'est le suppose. Supposons que cette proposition, elle est vraie. Donc, je vois. Donc, elle dit, vous laissez un mais il donné. Après, on va montrer que, bien sûr, 1 plus 3, plus 5 plus jusqu'à 2n plus 1, ou je vais ajouter jusqu'à n plus 1, donc plus 2, ou n, je vais la remplacer par n plus 1. Voilà. Plus 1. Très bien. N de 1, est égal à quoi? N plus 1, encore là, je vais remplacer n par n plus 1. Je vais trouver n plus 1 plus 1, et n, tout au carré. Voilà. Et il y a 2n plus 2, ou 2n plus 2 plus 1, ça fait 2n plus 3. Ou il y a n plus 2 au carré. Et il y a un machine how il y a des données. Mais, quand on a 1 plus 3 jusqu'à 2n plus 1, il est égal à n plus 1 au carré. Il y a quand même un autre chose qui est dit. Par équivalence, par exemple, n plus 1 au carré plus 2n plus 3 est égal à n plus 2 tout au carré. Tout simplement, remplacer les données. Donc là, je vais calculer ce truc-là. Donc n plus 1 au carré, ça fait n au carré plus 2n plus 1 plus 2n plus 3. C'est égal à quoi? C'est égal à n au carré plus 4n plus 4. Dit bien sûr, identité remarquable, il y a n plus 2 au carré. Voilà, on a bien ça. Donc, bien a de la proposition. Donc, par récurrence, cette proposition est vraie. Donc, c'est le raisonnement qu'on a dit. Donc, on a fait le résumé. Quand on dit le raisonnement par le contre-exemple, on a fait la proposition déjà fausse. Qu'est-ce que c'est le raisonnement? Le raisonnement déductif ou équivalence. الفرق بيناتهم ديديكتيف كيكون عندك واحد لي دوني كتنطلق منه باش تبين واحد لو ريزولطا ولكن ليكيفالونس كيعطيك واحد لا بروبوزيسيون منها كتنطلق وهي اللي كتبينها فوالا ابري كيجي لا كونترابوزي تو سامبلومون او ليو ما تبين بي ان بلوك كو كتبين كيو بار امبليك بي بار وتو سامبلومون هادي كتستعملها في كتكون عندك واحد لينيغاليتي امبليك واحد لينيغاليتي باش تولي عندك اون ايغاليتي فوالا. Après que j'ai disjonction de cas, on a quand même la question qui fait le halas bizarre, par exemple, résoudre les équations ou bien les inéquations. Après, je fais par absurde, bien sûr, je fais le marahil dialo, ça, la récurrence. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et là, je vous dis exercice 3 en lien de description et à la prochaine.